Bonjour, je m'appelle Michael Alouche, je suis comédien et metteur en scène et aussi j'interviens dans plusieurs ateliers d'improvisation et de théâtre. J'ai fait un master de sociologie et en master de sociologie, j'ai commencé l'improvisation théâtrale. Je suis rentré au conservatoire du 13e et j'ai rencontré des gens incroyables avec qui j'avais envie de travailler. Donc on a monté une compagnie qui s'appelle Carrelage Collectif, dans laquelle j'ai mis en scène ma première pièce qui s'appelle Jules. Et dans laquelle j'ai participé à d'autres pièces en tant que comédien. Moi, je suis très influencé par l'improvisation. J'aime beaucoup l'écriture de plateau. Les Chiens de Navarre, par exemple, ça m'a beaucoup influencé dans ce qu'on pouvait dire au théâtre. Tout était possible de dire au théâtre. J'aime beaucoup le théâtre contemporain. Falk Richter aussi, ça m'a beaucoup plu à un moment parce que je retrouvais des éléments que j'avais pu étudier en sociologie, mais sous d'autres formes. Et puis, j'aime beaucoup les classiques. J'aime beaucoup Shakespeare, Molière et le théâtre russe. Tchekhov, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé à un moment. Et même toujours, d'ailleurs. Déjà, il faut qu'il y ait un groupe, que les élèves s'entendent bien et qu'ils aient plaisir à venir. Je commence toujours par beaucoup d'impro, où on apprend plein de choses, mais entre autres à s'amuser sur scène. Mais on apprend d'autres choses, l'écoute, à se positionner sur scène. C'est un bon début pour pouvoir arriver au texte. Et dans les textes, ce serait vraiment, surtout sur une période un peu courte, de trouver l'amusement et eux qui puissent kiffer faire ces scènes. Viens, on va kiffer ensemble. Si tu as envie de faire du théâtre, moi, je vais jamais te forcer à faire des trucs et on va faire des trucs que tu kiffes sur scène et tu vas prendre du plaisir, tu vas apprendre à prendre du plaisir sur scène. Voilà, moi, ce serait ça, ce que j'aimerais transmettre aux élèves.